Bonjour chers élèves, bonjour chers amis. C'est le retour de la minute étymologie. Alors, hier, en classe de 4e, deux élèves, Edgar et Ethan, m'ont demandé « Mais monsieur, pourquoi apprendre une langue morte ?» Comme je l'ai écrit derrière moi, vive le latin. Eh bien, le latin, ce n'est pas une langue morte. Je ne suis pas mort. Vous, mes élèves, vous n'êtes pas des morts vivants. C'est une langue qu'on appelle une langue ancienne. Une langue ancienne est une langue que l'on peut encore étudier, que l'on peut parler, que l'on peut écrire. Il m'arrive très souvent d'écrire des mails ou des WhatsApp ou encore des lettres à des amis. Certains parmi vous d'ailleurs en reçoivent en latin ou en grec ancien. Donc, il ne s'agit pas d'une langue morte. Il existe des langues mortes comme la langue hiéroglyphique par exemple. On sait décrypter quelques pictogrammes, mais on ne sait pas la parler couramment. Vive l'étymologie!